bien. Merci vos alliés belé beaucoup landa biso sur Kleboa original du Grand Port César ngadi et tiamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. Nepsa kabino toujours confiance et fidélité na bino. Nepsa kabiso courage to servir bino na temps oyo beaucoup c'est la biso to servir bino. Ezalinga yo bino gradi mouya en direct ya République démocratique du Congo et pa yo pito ko présenter bino o ezali bongo discours topé message ya mona mboka Timothée Lenoir o ezali bongo moko ya nyo sacré pe ezali partenaire privé peut privilégier il y a Vital Kamerhe à qui n'a groupé sa message naïe Bobi ke mokonzi ya mboka auti ko sensibiliser ba kongomani kasi Timothée Lenoir lokola pe moko ya ba kongomani afanda ki kimia te apesi message na ye na ba kongomani apesi message na ye na ba konzi ya mboka pe apesi message na ye na ba FRDC ba ko bundela mboka butumo iba ko lembate alors to ko tikela bino bolanda o ezali message ya Timothée Lenoir e ngai na bino tokutani prochainement toujours na même chaîne Kleboa original, Petcha Maloba officiel, portez-vous bien, au revoir, bye. Mes chers compatriotes, congolais et congolais, pendant ces temps où mon peuple est en train de subir les moments très difficiles dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Bunagana et à Rutshuru, après l'adresse du président de la République, chef de l'État, je cite M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, qui exhorte la population à être vigilante et de préserver la cohésion nationale. Conformément à l'article 23 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété à ce jour, qui stipule que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Il est de mon devoir patriotique, étant que Congolais, initiateur et président du mouvement politique Tous pour une République nouvelle, membre influent au sein de l'Union sacrée de la Nation, de m'adresser non seulement à la population de la partie Est, mais à toute la population congolaise dans son ensemble, à la communauté internationale, aux forces vives de la République démocratique du Congo. À mes frères de Rutshuru et de Bunagana, victimes d'une guerre d'agression par la République du Rwanda sous le label du groupe terroriste appelé le mouvement du 23 mars, dit M23. Très chers compatriotes, nous rappelons que ce n'est pas une insurrection armée interne, mais plutôt une guerre d'agression imposée par certains voisins qui se déclarent un peuple minoritaire dont le but d'annexer une partie de nos terres au Rwanda. Au pouvoir de Kinshasa, je suis heureux du message du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui stimule encore les sursauts patriotiques au peuple congolais. Au ministre de la Défense nationale, de continuer à booster les forces armées de la République démocratique du Congo, de se battre pour la protection de l'intégrité territoriale et protéger l'État congolais. Au ministre de la Communication et Médias, d'orienter la communication à tous les Congolais, en commençant par les journalistes, les communicants, les communicologues et toutes les couches de la société, et prévoir des sanctions aux récalcitrants. À la communauté internationale, je condamne votre loisiveté dès lors que vous avez les preuves de l'agression du Rwanda par le biais des rapports des experts des Nations Unies. N'attendez pas la réplique sérieuse de la République démocratique du Congo pour venir nous rappeler le droit international humanitaire, car ces Khmers sont des êtres humains comme vous aussi. Loin de moi le racisme, j'ai vu votre engagement pour mettre fin à l'opération militaire à l'Ukraine et voir l'inaction de votre part chez nous pendant qu'ici nous comptons plus de 12 millions de morts, mais laisse indifférent.
Il est de votre devoir de dénoncer l'agression du Rwanda via les terroristes du M23 conformément à la charte de la création des Nations Unies. Vous, la communauté internationale, je vous exhorte, cher monsieur, de bien vouloir mettre fin dans cette guerre d'agression avisée dans le but de balkaniser notre pays. Nous ne sommes pas les Soudans ni la Guinée qui ont connu la balkanisation sous l'œil impuissant de la communauté internationale. Nous sommes un peuple appelé à vivre ensemble avec notre terre bénie par Dieu Tout-Puissant. Nous sommes hyper mobilisés pour défendre notre territoire jusqu'à notre dernier souffle. Aux forces vives de la République, mettons de côté nos divergences pour sauver notre pays qui est menacé par les voisins, que vous voyez, que vous soyez de la majorité, opposition ou société civile, cherchons tous le bonheur du peuple. Il est de notre devoir de mobiliser les peuples à s'arranger derrière les fardessés, enfin de combattre toutes sortes d'injustices, car on ne peut pas être politique congolais sans le Congo. Nous avons l'obligation de soutenir la nouvelle équipe de l'état-major général des FARDC, où nous constatons que le nouveau chef d'état-major général, le général Christian Tshiwewe Songesa, séjourne à l'est de la République pour combattre avec ses éléments. Toute personne qui tente de semer la terreur aux Congolais. Nous avons remarqué depuis cette semaine que le Rwanda s'inquiète de notre détermination et tactique de combat en dénonçant la présence de notre avion de chasse volant dans nos frontières. C'est ici l'occasion de féliciter les hommes en tenue militaire, évidemment sous l'impulsion de la nouvelle équipe de l'état-major général des FARDC. Chers compatriotes, c'est pourquoi nous encourageons toutes sortes de discussions, rassemblées, prêchant le patriotisme, faire des tournées pacifiques comme à Mani, pas pour se faire populaire, mais pour prêcher le patriotisme, suivant l'exemple des grands esprits congolais et des panafricains, entre autres, Fumosimo Kimbangu, John Marang, Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Kenneth Kaunda, Agostino Neto et j'en passe. Battons-nous pour donner de la paix et sécurité à la population congolaise. Un peuple uni reste invaincu à jamais. Bannissons nos clivages politiques, nos divisions et revendications. Sauvons la RDC pour y diriger. Que vive les FARDC, que vive le peuple congolais, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Kodia Simon vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Situé à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombo-Kachi, dans la commune de La Gombe. Référence rond-point Forestcom, venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodia Simon, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya bana mboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngweza ka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o kolti yango ka na poche. Et na kosi na poche ya veste o voyager o memi yango partout dans le monde, ici, si vous avez besoin de câble HDMI,
courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais, congolais comme taoyé bango. Donc congolais comme taoyé bien. Congolais comme muto aroyé ba elengi nini yo yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est relative ça ya banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc c'est Pela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya bana mboka. Avec c'est Pela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de c'est Pela TV. C'est Pela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Neko ya Congo, tuna ngai ninyo agence Wami Service. Oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba koli ya ndenge na ndenge ko hésiter na yote. Adresse ezase moko 5 boulevard Ornano numéro 75018 na Paris 16e. Awa, na République démocratique du Congo, na ville province à Kinshasa. Boko Zoyango, na Avenue Maringa, numéro 83, référence étoile bleue, na commune ya Kasavubu. Soit, bo contacter là-bas numéro Oyo. Maman Mireille Wakanke, tata Pambola yo. Na yaka pamba pamba te. Soko moni na ye. Kombo na yo, na témoignage na yo, eke musika, pe betinga na motema. Na mona ba agence. Na sina moi oyo lukute za makasi na bagence na escroquerie okomona mosali nzambe asali fe publicité batu bazota la me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki nenge bayebi saki na yako kontrole na moni musala oyo sala Wami Service libote na nzambe. Bisita ya kotinda biloko eza na Wami Service. Oui, yeboye ezalate ndeko ko sazardete agence eza kaka moko Wami Service ya madame Mireille Wakanke a tient la disposition ya ba diaspora nyoso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o bazana Afrique avec impact na idéologie. Eh, Wami Service, pardon maman Mireille Wakanke. Balinga pe ba congolais boete. Prix ya mon bobet. Wami Service, c'est pas Mireille Wakanke. Wami Service, frappe na le, frappe na retour. Eyokanie! Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là. Avec la tradition là. Toujours. Salon Nembe Wami. C'est elle qui te coiffe. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. C'est elle qui te coiffe.